Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous bien. On se retrouve pour la boutique du 17 avril 2020. Il reste 10 secondes pour la nouvelle boutique Epic Game. Allez-y, mettez-nous du Deadpool, des skins Deadpool. Allez, go! 3, 2, 1, let's go! Toujours pas de skin Deadpool en vue. Peut-être prochainement. À 16h. La boutique, les skins Deadpool seront disponibles. À 16h, la boutique c'est marqué 13h, donc à 16h, nous avons les nouveaux skins Deadpool qui seront disponibles. Du coup, on passe à la boutique avec le retour du skin Echo, avec deux variantes, la variante par défaut et la variante inversion, au prix de 1200 V-Bucks, ainsi que l'outil de collecte les pics inversés, au prix de 500 V-Bucks, et le planeur l'éco-propulseur au prix de 800 V-Bucks. Le retour du skin Bomberger au prix de 1500 V-Bucks, ainsi que la tenue du sauceur fou au prix de 1500. Le retour de l'outil de collecte, la spatule de chasse et la roulette trouillée. Du coup, le retour du planeur précurseur au prix de 800 V-Bucks, ainsi que le skin Vertex. Le skin Vertex, c'est un bail qui n'était pas sorti, ce skin, qui refait son retour en boutique avec le bord tranchant en outil de collecte. Du coup, le skin Elmira qui fait son retour en boutique avec trois variantes disponibles. Là, par défaut, la variante de feu et la variante d'eau glacée. Le skin Assassin Actic pour 1200 V-Bucks qui fait son retour en boutique, ainsi que Shifumi pour 200 V-Bucks, coup de pion pour 200 V-Bucks, les modes Vantarde pour 500 V-Bucks, la musique Mayumeu pour 200 V-Bucks. En tout cas, et aussi je vais vous montrer vite fait, on a eu les défis de Midas qui viennent d'arriver. Je vais vous montrer vite fait le trailer de sa salle secrète, plutôt son bureau. Merci le jeu de pouvoir me faire rentrer dedans. Allez, je vous montre l'intro. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager pour plus de vidéos. Moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, à la prochaine.